Bonjour, c'est moi, Kour, la voix du désert. Alors on raconte que j'aimerais devenir votre roi. Je m'en fiche bien d'être votre roi, ou même votre serviteur. Je suis le prédateur de la nuit noire. Je suis l'aileron à la surface des eaux troubles. Je suis la dernière chose que vous verrez avant que les ténèbres ne s'emparent de vous. Je suis là pour régner. Et vous, uniquement pour me contempler. Si jamais vous trouvez une chaîne dorée, de la taille d'un crâne de Colombo, avec des constellations qui tourbillonnent à l'intérieur, apportez-la-moi. Ces chaînes m'intriguent. J'ai senti une grande force dans l'air, tel du sang dans la mer. C'est ça qui m'a amené ici. Alors, je serais très heureux si cette île avait quelque chose de réellement précieux à m'offrir. Vous ne sauriez pas vous en servir. Un peu comme une mouche sur une fenêtre. Moi, en revanche, je saurais mettre à profit ce délicieux pouvoir. Lorsque mon Léviathan aura fait le plein de nitro, il ravagera cette île avec sa mâchoire. Le ciel se teindra de noir, les plages se fendront en deux, et vos pitoyables villes seront réduites à néant. Et alors, une fois que toutes les ressources seront pillées, et que l'île ne sera plus qu'un tas de cendres, je me mettrai à la recherche de nouvelles terres à conquérir. Après tout, la raison d'exister d'une proie est d'être chassée, non? À quoi servent les faibles, sinon à satisfaire les envies des plus forts? Alors, laissez-vous déchiqueter bien gentiment par mon équipage. Croyez-moi, c'est là un bien plus grand honneur que tout ce qui vous attend dans votre vie. Nous avons toujours de la place pour de nouveaux combattants parmi mes maraudeurs. Pour postuler, disons qu'il faut décrocher son poste soi-même. Si vous voyez ce que je veux dire. Ne dérangez pas le vagabond, mes amis. Il a une mission importante sur cette île, et nous avons des intérêts communs. Ne le touchez pas, ne lui parlez pas, et surtout, n'essayez pas de regarder ce qu'il y a sous sa capuche. De toute façon, vos esprits simples ne comprendraient pas ce qu'il verrait. Enfin, je n'en sais rien, il ne m'a pas montré son visage à moi non plus. Mais je suis prêt à respecter les bizarreries de mes puissants alliés. Si j'en ai l'envie. C'est moi, la voix du désert. Et maintenant, la météo. Du sable. Et encore du sable à prévoir.